Bonsoir. Un petit tutoriel pour modifier et activer la caméra de recul sur Medianef Evolution 604, 603 et 705. Donc, pour le faire, en premier lieu, il faut récupérer un fichier dans Storage Système. Donc, on aura accès à ce fichier avec WinCE. Donc, une fois ce fichier récupéré, dsiconfig.bsd, dsiconfig.bsd, on va utiliser un éditeur hexadécimal. Voilà. Et une calculatrice mode programmeur. Donc, on ouvre le fichier dsi. Voilà. Donc, une fois le fichier ouvert, donc on cherche l'octet responsable pour activer et désactiver la caméra de recul. Donc, en hexadécimal, l'adresse c'est 0B. Ici, on a 60. Voilà, on a 60. Donc, on va aller vers la calculatrice en mode, bien sûr, programmeur. On va cocher ici hexadécimal. Et on écrit 60, 0, 6, 0. Donc, on voit bien ici 60 en hexadécimal. Et là, en bas, c'est en mode binaire. Donc, 60 en mode binaire, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, ici. Donc, pour modifier, la troisième bit, la bit, on est en train de dire des gros mots, excusez-nous. Bon, la bit. La troisième bit, quoi, elle est zéro, donc la caméra est désactivée. Donc pour l'activer, on va la changer sur 1. Donc on appuie sur le troisième zéro, un petit appui avec la souris. Voilà, il est devenu 1. Donc une fois modifié ici, on voit que ici l'hexadécimal a changé. Il était 60, maintenant il est 64. Donc je récupère cet hexadécimal 64 et je vais l'écrire ici, la même adresse 0B. Donc je clique avec la souris et avec le clavier on va écrire, voilà, 64, donc elle est en rouge. Une fois écrit, donc on doit changer la somme, calculer la somme. Donc on va sélectionner ces deux lignes, voilà, ces deux lignes. Uniquement ces deux lignes. Uniquement, je répète bien, ces deux lignes. Très bien. On va aller sur Analyse, Somme de contrôle. Et ici, on va cocher CRC32. On ne touche à rien. On met OK. Voilà. Une fois OK, là en bas, la somme, elle est calculée. C'est DD 047B9. Donc, on va rapporter ce numéro ici. On va le réécrire ici. Donc, on commence là, ici, de gauche à droite. Mais là, c'est ça l'astuce, on va l'écrire de droite à gauche. Donc, on va commencer par B9. Donc, ici, B9, voilà. 47. 47. Zéro un, zéro un et DD. DD. Donc, on a changé l'hexadécimal et on a changé la somme. Donc, on fait sauvegarde. Enregistrer. Voilà. Donc, notre fichier DSI, maintenant, il est modifié et sauvegardé. Donc, on va le récupérer et le remettre dans Storage Système du Medianef. Et la caméra est activée. C'est tout. Aussi simple que ça. Merci.